You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Mercedes AMG 45, ici même, qu'on nous a confiée pour une réparation avec une énorme fuite d'eau, comme vous pouvez le constater. Donc, nous allons voir d'où vient cette fuite d'eau et nous allons le faire avec vous. On vous présentera la voiture après, quand on aura fini la réparation. On ira faire un test routier, voir si tout fonctionne bien. Et d'ores et déjà, je vous invite tous à vous abonner à la chaîne, à cliquer un max de pouces bleus si vous voulez continuer à avoir des vidéos comme ça. Et pour toutes les questions techniques, tout ça, les jeux et machin, ça se passe sur l'Instagram. Je vous passerai le lien en description et je vous mettrai sur la vidéo, au début de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner du coup à notre Instagram. Pour l'heure, on va regarder cette voiture, d'où vient la fuite d'eau et on va essayer de réparer ce monstre de technologie. Donc voilà ici un moteur AMG, le turbo se trouve là-bas. Et on peut constater ici que nous avons eu des projections d'eau à ce niveau-là, au niveau du capot, du calculateur moteur, de la batterie. Donc je pense que pour commencer, on ne va pas trop s'embêter. On va démonter le dessous de la voiture, les plaques de protection qui sont dessous. Et on va aller voir si on voit par dessous. Si on ne voit rien, eh bien, il faudra démonter tout ce bazar. C'est parti. Donc dans un premier lieu, on fait un état des lieux du véhicule hein, pour pas que le client dise qu'on a chez où est sa bagnole. Donc ici même, on voit que tout est éclaté ici, donc je pense qu'il y en a pour un petit peu d'argent à réparer ça. Donc voilà, on voit ici, ça c'est à changer cette pièce là, le refroidisseur, ça doit être le refroidisseur de la boîte. Il y a du liquide refroidissement qui passe dedans, donc regardez l'état, déjà tout est tordu, hein. Donc ça c'est à faire. Ici on voit de la terre, donc on se demande s'ils font pas du cross quand même avec la voiture, parce que là quand même, regardez comment ça a frotté, ça c'est de la terre. Hein. Donc voilà, et ici on peut s'apercevoir liquide refroidissement qui coule, ici voilà, ça tient quasiment plus, et ici elle n'y est pas. Donc ça en général c'est pour refroidir les disques de frein. Donc ça déjà c'est mort, donc on va l'enlever avant que ça passe ici même en le cardant, et puis on va le dire au client hein, du coup. Et... Pardon, excusez-moi. Et ici, de l'eau, liquide refroidissement. Donc, on ne sait pas d'où ça vient. On pense qu'il y a eu un radé, tout est cassé dessous. Donc, on pense qu'il y a eu un choc. Voilà, ça coule de là. Là, bon, ça, c'est tordu. Donc, ce qu'on va faire, on ne va pas se faire chier. Hein. On va tout démonter. On va faire un devis de réparation. On voit ici que, voilà. Donc, je vous rappelle quand même que c'est une AMG. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est de la tôle. Donc, on voit dessous que ça a frotté quand même. Donc, voilà, peut-être qu'ils ont cassé quelque chose dessous la tôle. Donc, on va sortir de la tôle. Et puis on va regarder ça. Donc c'est une voiture qu'un de nos clients met en location. Donc je pense qu'il a eu la surprise à récupérer comme ça. Ce qui est bien dommage. Allez, let's go, on démonte. Donc on voit que c'est des voitures qui sont quand même assez basses, les AMG 45. Donc le pare-choc est totalement déglingué, totalement explosé. Donc on a un PC complet. La grille inférieure du pare-choc. Ici, on a le radiateur de refroidissement de boîte.
Ici, je vais démonter la plaque du coup pour finir. Vous voyez, c'est des voitures quand même assez basses. Et vous avez toute la mécanique derrière la plaque. Donc si vous roulez comme des cons sur les dodanes, et bien voilà, ça déglingue tout. Alors, hop, voilà. Et on voit que ça coule de dessus. Puisque dessous, on voit pas grand chose finalement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je pense peut-être une durite. Là j'espère qu'ils n'ont pas éclaté le truc parce que là ici on a la boîte auto. Là ça va être les deux filtres de boîte. Filtre à huile moteur. Siglé AMG, hein, on voit. Donc ici tu prends un trottoir, mon pote, ou un dodan un peu trop rapide, t'arraches tout. C'est pour ça que Mercedes, ils ont mis cette plaque en ferraille de protection. Ben là on voit bien que ça coule pas depuis hier en fait. On voit ici c'est un peu sec le liquide refroidissement. Donc cette fuite elle n'est pas d'hier. Et là ici on voit de l'eau. Donc on va aller voir ce qui se passe. On va mettre ça sous pression. En tout cas ça vient pas de dessous, ils n'ont rien éclaté dessous. Et on voit très bien que ça vient par dessus. Donc on va la redescendre, ça comme j'ai dit c'est cassé, on va les enlever. Voilà. Et puis voilà. J'ai regardé par dessous, on ne voit pas du tout d'où vient la fuite d'eau. Donc on va aller démonter le dessus là, et espérant qu'il ne faut pas démonter trop de choses, parce que voilà, c'est un petit peu l'usine à gaz. Allez, on est parti. Les copains, j'ai démonté toutes les prises du calculateur. Auparavant j'ai débranché le moins de la batterie, et du coup j'ai défait le faisceau, j'ai tout mis ici là tranquillement, et là je vais aller me démonter ici même tout ce qui est boîte à air machin, pour pouvoir avoir accès là dessous et voir un petit peu ce qui se passe. Il donc monter du coup le filtre à air avec le calculateur moteur. On se retrouve au dessus de la boîte. Donc ici on peut s'apercevoir qu'il y a un peu d'eau. Du coup je sais pas s'il va falloir se démonter la boîte à vitesse, la batterie, mais déjà on va commencer à la mettre en pression. On voit que ça, on voit pas grand chose ce genre de moteur, mais je pense que la fuite d'eau doit venir de par là. Parce qu'il y a de l'eau partout là ici. Alors il y a cette petite durite là qui est dans un espèce de machin, de colis en plastique qu'on voit ici là. Désolé, je peux pas m'éclairer le film en même temps, c'est pas possible. Donc je pense plutôt que ça vient peut-être de là. Là on voit qu'il y a de l'eau sous cette durite, peut-être qu'elle est percée, on va voir. Et là on va faire un test d'étanchéité. Alors j'espère que j'ai le bouchon, putain ça va, je suis fatigué moi. Le bouchon qui va ici. Et on va mettre en pression le bocal, le circuit de refroidissement, voir d'où ça pisse. Et en espérant que ce soit cette durite, comme ça on évite de se démonter la batterie, tout ça. Allez. Entre le pression circuit, pression d'eau, le circuit d'eau pour le mettre en pression, nous avons le bouchon finalement là. Après nous avons cet appareil avec une espèce de pompe, voilà. Donc évitez d'aller dans le rouge, on va s'arrêter aux limites du vert. Si jamais on voit pas la pression, on va faire monter la pression tout doucement. Et on va aller voir où c'est que ça fuit. Et espérons que la fuite d'eau sera rapide à réparer. Donc c'est parti, stop. Voilà. Voilà, vous voyez ici, vas-y, je vis une pompe. Voilà, la pompe, la fuite d'eau est ici, la durite a éclaté. C'est bon. Donc ce que l'on va faire, vas-y, relâche la pression. Ce que l'on va faire, eh bien, soit on va commander la durite qui va. Alors ça c'est celle qui va au radiateur qui refroidit, qui est dans l'aile, hein, je pense, à mon avis il doit y avoir un radiateur par là. Et c'est la durite qui va peut-être pour le chauffage ou un truc comme ça. Donc on va raccourcir la durite pour dépanner le client. On va la passer derrière et on va commander chez AMG la durite d'eau qui va ici. Voilà. Je comprends pas pourquoi elle a cassé là. Peut-être un pincement. Un truc comme ça, et elle est venue s'éclater, ou alors les gens ils ont tapé comme des bourrins dedans, enfin je sais pas. Honnêtement je sais pas, vous allez me dire c'est des voitures qui sont étudiées pour, mais voilà. Donc ça je peux vous dire, vous mettez votre moteur en l'air avec ça, hein. Si vous êtes sur l'autoroute que vous avez la durite d'eau qui éclate comme ça,
vous pouvez vous arrêter pour vous faire remorquer. Donc là, ce qu'on va faire, pour dépanner le client, parce que ça c'est une voiture de location, donc il veut la louer, je peux comprendre, hein, on va lui faire une réparation de fortune, le temps de recevoir la duite, et après on changera la duite qui va dans l'aile là. Alors on ne sait pas trop ce qu'il y a dans l'aile. Peut-être un radiateur consolé Audi ou une pompe. Ah non, il y a une pompe à eau de relevage. Une pompe à eau électrique. Donc on va la raccourcir, on va la repurger et on va la mettre à tourner. C'est parti. On voit très bien ici même l'ouverture de la durite. Elle s'est carrément ouverte. Donc on va la raccourcir et on va la remonter. On va faire un truc de dépannage. Donc voilà, on a fait une réparation provisoire, le temps pour le client que je commande la durite, qu'on la reçoive. En attendant, c'est une réparation qui va tenir parce que vous voyez, ça ne tire pas du tout sur la durite, elle est même souple. Il pourrait même laisser cette réparation, il n'y aurait pas de souci. Bon, moi, je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien la remettre d'origine. Mais franchement, il peut la laisser comme ça, ça tiendra même mieux que ce qu'il y avait. Donc là, ce qu'on va faire, on va remonter tout ce qui est filtre à air, support de calculateur moteur. Et on va la purger demain matin parce que là il se fait tard et on pourra lui rendre sa voiture demain midi. Alors donc on a tout remonté, donc on va faire procéder au premier démarrage, voir si le calculateur a pas bugué. Joey, si tu veux la démarrer. Et demain on fera le circuit d'eau. Donc là ils avaient essayé de se bricoler même la voiture, il y avait des colliers qui n'étaient pas serrés, voilà. Donc non, j'ai pas la clé. Donc on a tout resserré, on a tout remis correctement et voilà. Donc bon, enfin, c'était une petite panne pas très très grave, donc tant mieux. Et on n'a pas trop démonté, tant mieux aussi. Donc là on va pas la faire tourner, on va juste la démarrer, voir si tout repart bien, si tout est checké. Et puis voilà. Voilà, parfait. Elle a bien redémarré. Là, on peut s'apercevoir aussi que le cache est cassé aussi. Là-dessus, là, il vient là. Et là, il manque le cache rouge de protection du plus. Voilà, c'est bon, tu peux l'éteindre. Donc demain, on fera circuit de refroidissement et on ira faire un essai routier tous ensemble. Voilà les amis, on se retrouve dans la MG 45. On a purgé le circuit de refroidissement, donc ça vous l'a pas montré. Voilà, donc on voit qu'il y a un problème sur la batterie de réserve. Donc là, je sais pas trop. D'ailleurs, il doit y avoir deux batteries sur celle-là, donc la deuxième doit être naze. Et puisque la grosse a été changée, donc pour information, au diag on peut pas rentrer dans celle-là. Donc j'ai un diag, mais alors est-ce qu'il c'est parce qu'il est pas à jour ou quoi que ce soit, mais en fait l'AMG on peut pas rentrer. Et il faut savoir quand même que les constructeurs vont mettre en place maintenant à partir de 2022 sur toutes les nouvelles voitures, on pourra plus rentrer. Les mécaniciens ne pourront plus rentrer avec des valises standards, même les valises pirates, ça vous pourrez plus rentrer parce qu'il faudra acheter des tickets chez le constructeur. Et pour acheter des tickets chez le constructeur, il faudra avoir des valises officielles que vous avez acheté neuve avec facture, etc. Donc ça va se compliquer pour tous ceux qui font du black. Et voilà. Donc celle-là, j'ai pas pu rentrer avec ma Snap-on SM600. Donc je vous avais déjà dit que la Snap-on c'était de la grosse daube, fallait surtout pas l'acheter. Donc là je me suis renseigné pour prendre une KTS Bosch. Et on verra. Bon, le gars devait venir faire sa démo, il n'est pas venu. Comme d'habitude, les commerciaux ont jamais le temps. Voilà. Donc là, je vais aller essayer cette petite Mercedes. Donc AMG, vous avez vu là tous les écrans ici illuminés. Voilà, c'est la taille. Voilà, ça fait ça comme taille. Là, ici, je ne sais pas, c'est un. Voilà, ça change les modes sport. Voilà, sol glissant individuel, mode 1, mode 2, mode 3, etc. Fait chier. Donc voilà, ici le tableau de bord, tout est en écran méga écran LCD, couleur ou à LED, je ne sais même pas ce que c'est là-dessus. Et voilà, donc là on peut se mettre en confort, en sport. Donc voilà, ça c'est des voitures, une voiture de location pour un de nos clients. Donc je vais faire un essai routier et on se retrouve tout de suite après pour du coup la finalité des réparations de ce magnifique véhicule. Donc le seul bémol que je trouve un petit peu chiant maintenant sur les nouvelles bagnoles, c'est pour trouver le bouton des feux de détresse. Si vous devez les mettre en urgence, les boutons de feux de détresse, ben voyez, il est là. Donc il faut le voir quand même. Là, j'ai cherché un petit moment pour me garer sur le côté pour faire la vidéo. Donc ça, de plus en plus compliqué à trouver sur les voitures récentes, le bouton de détresse. Alors je trouve quand même que c'est un élément important du véhicule. Voilà. Donc là, je pars en essai routier avec vous. Voilà.
Donc on n'a aucun voyant à part la batterie, mais je pense que c'est la batterie de secours. Hein. Donc je sais pas si on va pouvoir rouler parce que à Bordeaux ça devient un petit peu compliqué de rouler. Donc voilà, je l'ai mis en mode sport. Mais voilà, dans l'idée, voilà, c'est une voiture plaisir, une voiture du week-end. Ou alors, ben là, comme c'est une location, si vous voulez vous louer une voiture comme ça, ben vous pouvez la louer. Voilà. Donc ça pousse, je peux vous dire, ça marcherait très bien. Quand je vous dis, on ne peut pas rouler. Hein, donc... voilà, on roule à 60, on respecte les limitations de vitesse, 60 pour 70. Et on va aller choper la 4 voies pour faire l'autoroute pour aller la faire exprimer. Très très belle voiture. Ça, je trouve que ça fait un peu bling bling ces palettes qu'ils ont rajoutées là. Voilà, ça fait bling bling, ça fait Wish, hein, ça fait AMG Wish. Ce serait que moi je les fais sauter ces trucs là. Enfin bref, chacun ses goûts. Hein. Là je vais poser le caméscope et juste vous faire écouter le son. Ça marche très 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 fort. C'est hyper agréable à conduire. Donc on a des vitres sans montant. On a des vitres sans montant. Et d'habitude les vitres sans montant ça fait toujours du bruit quand on accélère. Mais là on voit très bien qu'il y a une étanchéité parfaite entre la vitre et le joint. Et du coup on n'a pas de vent qui rentre dans la voiture ou un bruit de vent. Et ça fait vraiment plaisir. On voit vraiment que c'est une voiture qui a été soignée, qui voilà, pour le prix heureusement, mais voilà, par rapport à d'autres voitures de la même gamme où quand vous roulez, vous tapez dedans, il y a le vent qui passe partout, c'est horrible. Celle-là, non, on est bien, bien sonorisé. Donc voilà, c'est des fusées. Là, je suis en mode sport. Donc ça pousse quand même pas mal. Voilà les amis. Ce petit essai routier vite fait, bien fait. Et on espère avoir d'autres voitures comme ça dans nos ateliers. Celle-là, je pense que le client va être content, il va pouvoir la remettre en location. Parce que si on téléphone chez Mercedes pour avoir la durée de refroidissement qui était percée, on va attendre 48-72 heures parce qu'ils n'ont plus de stock. Donc là, on lui a dépanné, on va commander la durite et quand on la recevra, on lui remplacera la durite. On se retrouve tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Donc voilà les amis, on se retrouve sur la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker un maximum la vidéo, pouce bleu, un max de pouce bleu. Pour toutes les questions techniques, questions-réponses, maintenant ça se passera sur notre Instagram. Je vous mets le lien dans la vidéo et dans la description, comme ça vous n'aurez plus d'excuses. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Instagram, il y aura bientôt une valise de diagnostic à gagner d'une valeur de 400 euros. Donc ça, je vous donnerai les modalités. Et voilà, donc la voiture m'a redemandé du liquide de refroidissement, ce qui est tout à fait normal, pas d'inquiétude, puisqu'elle a fait son circuit d'eau assez purgé. Donc là, on va la re-remplir et on va aller refaire un tour pour bien confirmer que la réparation qu'on a fait a tenu et on pourra valider la réparation. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo sur notre chaîne. N'oubliez pas, les gars, abonnez-vous, likez les questions sur Instagram. Ciao, bye bye, à plus.